Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons en direction Fatima et peut-être Leria si on a le temps. Il est déjà midi donc le temps de faire la route, on va voir si on a le temps de faire les deux villes ou si on voit que Fatima aujourd'hui. On verra ça. En tout cas il fait déjà beau, moins chaud que les jours précédents donc c'est plus agréable et j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Le chauffeur, t'es prêt? Allez, on y va, à plus tard. Il y a le sanctuaire à voir, le sanctuaire de Fatima. Et on va regarder un peu mieux sur place quand on sera posé. Tao Vicente de Polo. Droite. Bah, il me dit à gauche, moi. Bah, c'est bien parce qu'il me fait confiance, c'est ça qui est bien. C'est que je suis copilote, mais il va à l'opposé de ce que je lui dis. Ok, 3 minutes de plus. Bravo, bravo, chérie. Tourner à droite. Ça y est, on vient d'arriver à Fatima, on vient de se garer et on va voir ce qu'on y trouve, le fameux sanctuaire. À manger. Et à manger aussi, c'est important pour nous. Bon voilà, on s'est arrêté manger dans un petit restaurant. Voilà. On va voir ce que ça donne, on a pris un petit hamburger frites. Une fameuse version de Francesine. Petit coucou et petit clin d'œil à Lydia. Bon, ça y est, on vient de finir de manger. On retourne du coup visiter plus amplement le sanctuaire de Fatima. Et je retire ce que j'ai dit, il fait chaud. C'est quoi comme spectacle, Lisson? Des pyjamas. Un des pyjamasques? Oui. C'est immense. Ce qui est surprenant plutôt, c'est que des gens font le trajet à genoux. Ces deux femmes font le trajet, donc je ne sais pas d'où elles sont parties exactement, peut-être d'un peu plus loin là-bas. Ça me refait penser à la série Breaking Bad, pour ceux qui connaissent, où on voit à un moment, dans une scène qui se passe au Mexique, quasiment un village entier qui fait un trajet pareil. Là, ils ne le font pas à genoux, ils le font en rampant. Et pareil, pour rejoindre un sanctuaire. Et c'est exactement la même chose, sauf que là, bon, ils le font à genoux. Je pense que tout en rampant, elles prient en même temps. Je les vois parler tout bas, donc... Bon, voilà, ça y est, le sanctuaire de Fatima, c'est fait. C'est bien joli. Pas mal de monde, quand même. On va voir un petit peu ce qu'il y a d'autre à visiter dans le coin, dans les parages. Alors, on est arrivé à Leria et nous cherchions, je pense que c'est celle-ci, la place Rodriguez Lobo, c'est ça. Donc avec vue sur le château de Leria, construit du 12e. Ah,
On est au château de Leria, c'est un château du XIIe siècle qui a été, c'est une commande du roi Fernando. Non, Alfonso. Alfonso. Le roi Alfonso. Premier roi du Portugal, ou Fernandez, non? J'ai un doute. Oui, d'accord. C'est de notre faute. C'est pas grave. Merci. Il a dit que c'était trop tard et que c'était fermé. Et on a dit qu'on reviendrait ou pas. On l'aura vu d'en bas. Bonne journée malgré tout, sans château, mais avec une petite visite de Fatima, de Leria. Bon, à mon avis, une journée à Leria n'aurait pas été de trop pour faire la ville de long en large. Mais bon, avec les enfants, c'est toujours un peu plus compliqué de faire des grandes visites et de marcher longtemps. Surtout qu'on venait déjà de se faire Fatima juste avant. Donc, on est arrivé à midi et demi hein, en plus, hein, donc ça n'aide pas. Mais c'était une bonne journée. Allez, à plus tard. Ciao.